Bonjour à la maison, je m'appelle Guise et bienvenue à une autre vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on a plein de beaux petits produits de Fusion Strike. Regardez-moi ça! On a une boîte de Build and Battle. On a le petit T-Pig avec sa scène. Hein? On a aussi le paquet Blitzle. Et mon préféré de tous, le tri-pack avec Eevee qui a l'air fâché. Il a l'air un peu un mélange d'un écureuil et de quelqu'un de fâché d'être un écureuil. Et puisqu'il est fâché, on va commencer avec lui. Allons regarder ça. Fais attention pour ne pas endommager Eevee, parce qu'un Eevee Mint est un Eevee heureux. Ah oui, ça, tiens, on veut la scène. C'est qui? C'est Dragonite, je pense. J'ai vraiment des problèmes d'identification des scènes. On met la carte dans le plastique, mon Dieu. Ça fait des beaux U. C'est bien bizarre. Est-ce que tu pourrais plier plus, s'il te plaît? Et ici, on avait un petit code. Et on a trois paquets. Heureusement, il y a un paquet Mew. Donc, je suis content. Allez, c'est parti. Est-ce que le tri-pack va être excellent ou super bon? Ben, on va le savoir dans un instant. On est en train de l'ouvrir. Arrêtez de poser des questions puis regardez. 1, 2, 3, 4. Énergie de type coup de poing dans ma face. Pas ce que je cherchais. Wow! Il y a quelque chose à la fin, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que je mets tes cartes? T'es pas bon, je le sais. J'ai décidé que j'acceptais mon pas bon âge. On a un ours. On a lui. On a Corviknight. On a un Clauncher. Growlithe. Sheldrassuray. Stuffle. On a un Sigilyph. Toxel. Reverse et... Oh mon Dieu, ça a l'air d'être une grosse carte, ça! Ah, oh, ça, c'est l'amour! C'est l'amour, mesdames et messieurs! Boum! Un crabobinable homme des neiges V! On l'avait pas, c'est bien beau, ça! Sur la chaîne Pokémon, c'est sérieux, 100% de hit! Oh oui! Ben, coudonc, on va aller ouvrir un autre beau petit paquet. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais! Ouvre-toi! C'est la première fois que j'ouvre un paquet! Je ne suis même pas capable! Alors, toi! Oups! Le code, c'est vrai, il est plus loin! J'ai encore spoilé! 1, 2, 3, 4, je suis incorrigible! Ce sera une résolution pour peut-être 2025. Cette année, j'ai décidé, je peux pas vous le dire, sinon ça se réalisera pas. Énergie de type, encore coup de poing dans ma face! Le feu! Le feu, mesdames et messieurs! On a un Bug Catcher! On a une énergie Fusion Strike! Turtonator! Des Pampers! Siwaddle! Skarmory! Jinx de League of Legends! Clémentine! Prime Ape! Et... Ben, voyons donc, une V! C'est sûr, c'est une V, mesdames et messieurs! Dans 3, 2, 1... Bon AV! Ouh! Un Pikachu! Pikachu V! Allô! C'est bien cute! Ah! Oh, n'est-ce pas le plus beau jour de votre vie grâce à ce Pikachu? Hey, 100% de hit! Il nous reste le paquet Mew! Puis on le sait, le paquet Mew, ça peut pas être rien! Hein? S'il vous plaît, on veut un hit! On l'aurait déjà vu parce que je spoil tout, mais c'est peut-être une carte holographique. Énergie de type, t'es pour le tripack au complet, on y va avec le coup de poing. Hein? Hein? C'est qui disait que si on répétait toujours la même chose en espérant des résultats différents, qu'on était niaiseux? Vous voyez bien que ça fonctionne? Alors, Métapode, Persian, des Power Tablets, Phalanx, Morpeko, Smurgle, Quillfish, le Tinamou de Moscou, on a Morgrem, Reverse et... Oh! Landorus! 100% holographique! On a un tri-pack de la trifecta parfaite! Allez, on continue cette fois avec un paquet avec un coin et Blitzle. C'est qui ça? C'est-tu Zacian? Ou Zamazenta? Entei? Suicune? Je sais pas. Anyway, on va aller ouvrir ça. Ah ouais! Arrête de niaiser! Fais attention.
à notre petite carte. Je sais pas pourquoi ils ont plié de même. Je sais pas ce qu'est leur problème. Tiens, espèce de coin. Puis, on va aller mettre ça dans un plastric. Tiens, c'est la première série que ça me fait ça. Mes cartes sont entreposées pourtant à un endroit que à 20 degrés à peu près. Là. Je comprends pas pourquoi ils plient. Mais bon, on va aller ouvrir ça. Ça va être complètement magique. Ta-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Salut, bon Harry. 1, 2, 3, 4. Là, ça ne me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est un paquet. Énergie de type Gabriel des Trois Maisons. Deux yeux. Deux yeux. On a Stantler. Gliscor. Les Sentiers Scorch. On a juste donné ce joke-là. Bon Harry. Clobofus. Le Dynamo de Moscou qui est dans l'eau. Zorua qui vend des palmes à 500 rupies. Shelder Surrey. Dupider et un maracas cactus que Boba Fett brise et boit de l'eau dedans. Ben coudon, on va aller ouvrir le deuxième. Ça peut pas être tout le temps magique la vie, hein. Je vous apprends des leçons. Je vous donne des leçons. Il y a des leçons à en tirer. Encore une fois, une carte qui a plié un petit peu. On va quand même la protéger. Puis on va aller ouvrir ce magnifique paquet. Hein, on enlève la scène. On met du recyclage. Puis là, on a un paquet de Mew. Oh que oui, mesdames et messieurs. Les Mew, c'est les meilleurs. Des fois, c'est les Mewtwo. Des fois, c'est les deux. Mais l'important, c'est pas de participer. Il faut gagner. La 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 la. OK. 1, 2, 3, 4. Énergie de type. Matière grise. Oh, j'ai failli dire yeux encore. Je sais pas pourquoi j'ai changé d'idée. Touche de Marue. Un écolier. Un chaise. Une cornette crème glacée. Cislipède. Stuffle. On a Sandy Glass. Plosso. Ah, elle est bien belle, cette carte-là. Ah. On a un Kangaskhan. Un kangourou, hein. Est-ce que vous saviez que lui... Il était quelque part dans le code, puis ça a failli être un Pokémon. En tout cas, faites vos recherches. Ben voyons donc! Un ou pas V! C'est bien des beaux résultats pour pas beaucoup de paquets. On a plus de hits dans ces petits paquets-là que dans toute l'histoire de Chilling Rain. J'en reviens pas. Puis là, on s'en va ouvrir. Mon moment préféré, j'aime beaucoup les Build and Battle. J'aurais aimé les ouvrir à la sortie de Fusion Strike. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, j'ai oublié. OK, on va aller ouvrir ça. Ongle fonctionne. Des fois, j'ai l'impression que mes ongles sont défectueux. Alors, on va ouvrir ça. Petite boîte. Comment ça s'ouvre, ça? Comment ça... Ah, ben oui. Je suis pas très brillant. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ces belles boîtes-là? On a d'abord du papier qui nous explique la vie, hein. Fait que normalement, quand le set sort, t'as les numéros, mais c'est moins pratique que les Elite Trainer Box parce que il n'y a pas les photos ici, alors que dans les ETB, les photos s'y trouvent. Donc, c'est correct, mais un peu moins pratique. Ensuite, on a un paquet de cartes définies, et puis, incluant la carte promotion, hein, là, on a un Pyukumuku. Avec le logo de Fusion Strike, on va ouvrir le paquet. Et on a aussi, mon Dieu, 1, 2, 3, 4 paquets. Ça va être fou. Commençons par aller voir les cartes. L'espèce de deck qui vient avec. Alors, premièrement, on veut vraiment faire attention à notre Pyukumuku. Je vais le mettre de côté ici. Je vais le mettre dans un plastique le plus vite possible. On va regarder rapidement les cartes. Level Ball, Copycat. OK, c'est des cartes standards. Ça doit être un deck balancé. OK, il n'y a rien qui attire mon attention de trucs qui seraient uniques. Donc, toutes des cartes de différents sets qui me semblent tous être du Sword and Shield. Peut-être pas, hein, je regarde très rapidement. Dragapulte, puis un code. Encore 4 paquets à ouvrir. Gros épisode. Allez, on a sur le dessus Voltorb qui est fait au crayon Prismacolor de bois. Voilà. 1, 2, 3... Cartes, comme dans ça, des cartes. Énergie, de type mouillé. Sacré Pikachu.
toujours le mot pour électrocufier, Breloom, Cross Switcher, des vidanges, Voltorb, un chaise, un éléphant cochon, Gligar, Slugma, Beware Reverse et un fruit de mer. Ok, là, j'aime pas ça. Pas avoir des bons paquets. Ça, c'est non. Allez, s'il te plaît. Gringar. Allez, j'ai-tu d'appeler Gengar Gringar? Ça va être mon nouveau surnom pour lui. Tiens. 1, 2, 3, 4. Énergie de type matière grise. Yes! On a pris le temps de bien réfléchir. On a une Farewell Ball. On a un Lapin Ninja. On a Ariyama. On a un chat. On a Maril, qui est dans Zelda. Helioptile. Wololo. Gossifleur. On a un Electric Reverse. Et un Grand Boule. Oh, regarde, il se prend que... Il pense qu'il va jouer dans Breath of the Wild, puis il regarde au loin. Tu seras pas dans le jeu. À moins que ce soit la doubleur de Gagnon. Il a à peu près la même carrure. Bon, encore deux paquets. Puis je vais évidemment garder le Mew pour la fin. Allez! Là. Hey, on a eu toutes les bonnes cartes. Oh, mon Dieu! OK, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de gros. 3, 4, j'allais dire, on a eu toutes les bonnes cartes au début de l'épisode. Puis il ne restera plus rien pour là. Énergie. De type. Mouillé. La. Alors, on a Excadrill, Trévenant, c'est Trévenant de Rigaud. Ah, oh, ah, oh, ah. OK, Adventures Discovery, Sizzliped, Stuffle, Sandyglass, Plusle, Vulpix. On a un Sandshrew. On y revient. Hein? Je suis agace? Hein? On la regarde pas de suite? On va aller ouvrir le dernier paquet. Comme ça, s'il y a rien dans le dernier paquet... On va finir l'épisode en beauté. Ça, c'est du spectacle. Hein, on remercie hein, Sandshrew, qui en ce moment est l'arbitre qui cache la carte qu'on ne veut pas voir tout de suite. 1, 2, 3, 4. Énergie de type coup de poing d'en face comme Sandshrew qui nous cache. C'est quoi? Et c'était mouillé. Fais attention pour ne pas accrocher la carte. Simisear. Crossheaver. Sligoo. Stuffle. Sandygast, Plusle, Vulpix, Meltan, on a Berserker et Toxtricity! Yeah! The System of a Down! Bon, fait que là, on va le prendre, on va le mettre dans un plastique, ce sera pas long. Faut faire les choses dans l'ordre. Ok, il est bien dans son plastique, ok. Bon, on peut aller regarder, mais qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Mew V Max! Ben voyons donc! Il est beau! Allô! Hello! 10 sur 10. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. On salue notre Mew V Max. Pas besoin de faire de top ou quoi. C'est Mew qui gagne haut la main. Tu es ma carte préférée de la journée. On se revoit bientôt pour un autre épisode d'ouverture de cartes Pokémon. Ciao!